Mardi 20 juin 2023, Agnos Sécurité, partenaire du gala des directeurs sécurité-sûreté, était présent durant toute la journée d'études qui précédait la soirée du gala, rendez-vous annuel de la profession. Dès 8h30, partenaires et membres se retrouvaient au Cercle d'Aumale, majestueux hôtel particulier du 19e siècle dans le 9e arrondissement de Paris. Une journée durant laquelle plus d'une centaine de participants ont pu échanger, participer à des interventions, réflexions et présenter des projets. En ouverture, un panorama de la société exposé par le représentant de la Direction nationale de renseignement territorial a permis de mieux appréhender les mouvements actuels et la détection d'éventuelles menaces au sein même d'organisations. Après quelques rendez-vous personnalisés entre partenaires et membres et échanges entre intervenants et participants, et avant le déjeuner, Hélène Moutel, directrice régionale adjointe Île-de-France au sein du Pôle emploi, a présenté l'ensemble des actions menées pour permettre à des demandeurs d'emploi et des étudiants de rejoindre les équipes de sécurité privée durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce, dans l'objectif de répondre aux besoins du secteur de la sécurité privée et aux attentes des organisateurs de cet événement planétaire. Cette journée d'études a permis à Pôle emploi de rencontrer et d'échanger avec les participants, prestataires et décideurs et de mieux appréhender les besoins du secteur, notamment côté donneur d'ordre. Parmi les membres présents, Marc Vietten, coprésident du Collège national, livre son expertise sur l'importance de cet événement au vu des jeux actuels de sécurité et dans le cadre du continuum de la sécurité. C'est en effet une journée très importante pour nous. Elle est en fait la conclusion d'un cycle de rencontres qui se passent au niveau régional et qui se veut sous le signe de la convivialité. On l'a voulu en deux parties. La première partie est ce qu'on appelle le before, donc qui sont ces rencontres autour de nos partenaires dans un endroit privilégié où nous sommes dédiés à ces rencontres d'une part. Elles peuvent s'exprimer autour de rendez-vous particuliers avec ces entreprises et comme d'habitude, un déjeuner de réseautage où on commence à échanger avec nos collègues directeurs de la sécurité et nos partenaires. Ensuite, la seconde partie, qui elle est l'apothéose de cette journée, qui est le gala annuel des directeurs de la sécurité, qui en est aujourd'hui à sa 12e édition et qui reste, qui est devenu aujourd'hui un événement incontournable pour la sécurité. Nous nous y retrouverons autour des acteurs régaliens de la sécurité, qui sont les forces de police, de gendarmerie, de renseignement, et nos partenaires à nouveau, ainsi que les directeurs de la sécurité. Donc au cours de cette soirée, nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'une table ronde qui évoquera les crises géopolitiques, environnementales et énergétiques, qui sont au cœur de notre écosystème en ce moment, et qui permettront à des acteurs reconnus de s'exprimer sur le sujet et sous la houlette d'une journaliste de renom. Nous avons ensuite, nous assisterons à un dîner gastronomique qui conclura cette soirée et nous terminerons par des échanges qui nous sont chers entre nous et avec nos partenaires. Laurent Allais, président Club Agora Directeur Sécurité Île-de-France, également présent, livre ses sentiments sur cette journée tout en mettant en exergue l'évolution de ce format et sa satisfaction concernant cette 12e édition. Pour ma part, je participe également à la commission technique de la FFSP. Je dois dire que je suis un technophile et on a de grosses difficultés actuellement dans le monde de la sécurité privée à mettre en avant toutes les technologies qui peuvent apporter une véritable aide à nos agents de sécurité, revaloriser le métier, promouvoir la formation. Et avec ce comité technique, nous essayons de pousser ces aspects techniques de telle sorte à dédramatiser un petit peu l'inquiétude que peuvent avoir les pouvoirs publics et voir la population à l'égard de ces technologies. Je crois vraiment que grâce à cette commission, on pourra avancer. Concernant le BIFOR, on sent que cette année, on a vraiment passé une étape supplémentaire avec un site qui est vraiment magnifique, spacieux, très classe. Beaucoup plus de directeurs sécurité. C'est vraiment magnifique. Concernant la soirée, elle se déroulera ce soir, mais quand on voit le parterre d'invités, quand on voit le nombre de demandes qu'on a eues pour cette soirée de gala, il est certain que ce sera une soirée absolument magnifique dans la continuité des soirées précédentes et bravo à l'organisation.
Concernant le club de Paris, moi je suis vraiment ravi parce qu'on sent un engouement des responsables sécurité, des directeurs sécurité à rejoindre le club. Et j'ai noté vraiment une augmentation du nombre de membres depuis la rentrée dernière, depuis septembre. On atteint en moyenne une centaine de participants. On passe des soirées d'échanges et avec des intervenants vraiment de qualité qui sont formidables. Et donc un véritable engouement pour le club. Et je voudrais ajouter un mot à propos de la FFSP et saluer la demande et l'insistance même de Michael Lejar à faire participer l'Agora Sécurité à la FFSP. Je dois dire que j'étais un peu circonspect sur l'intérêt de participer et d'être membre de la FFSP, mais maintenant que j'y suis depuis un peu plus d'un an et on se partage le siège avec Marc Vietten et Fabien Desnaux, les coprésidents du Collège National, je vois un véritable intérêt dans les échanges que l'on a régulièrement donc lors des conseils d'administration. Chacun apprend à se connaître et finalement c'est comme souvent, on a l'impression de se connaître, mais le fait de partager régulièrement apporte énormément de choses. Enfin, en clôture de cette magnifique journée, et ce pendant une heure, partenaires et membres ont pu participer et échanger sur les enjeux liés aux grands événements sportifs. Pour faire un état des lieux et présenter les actions en cours et à venir, sont intervenus Christophe Delay, conseiller sécurité à la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Thomas Collomb, directeur délégué sécurité au sein de Paris 2024, et Olivier Métivet, conseiller renseignement du coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques 2024 et grands événements sportifs internationaux. Messages et échanges qui étaient grandement attendus et ont été fortement appréciés. Cette journée d'études, moment très attendu, aujourd'hui en amont du rendez-vous incontournable de la profession qu'est le gala, est l'occasion de réunir en un même lieu les membres venus de toute la France ainsi que de nombreux partenaires pour enrichir les débats, networkers et mutualiser les expertises. C'est l'occasion pour tous de construire des projets ensemble et d'apporter sa contribution pour tendre vers un avenir toujours plus serein dans le partage et la convivialité. Rendez-vous donné pour la 13e édition, le 19 mars 2024.